Après Sarr, nous nous intéressons cette semaine au séjour du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, à Bongor, chef-lieu de la province du Mayo-Kébi Est. Le film de l'arrivée du maréchal du Tchad à Bongor. Entre le maréchal du Tchad et Bongor, c'est une histoire de cœur. Le cœur, le bongorois l'ont fait parler une nouvelle fois à l'occasion de l'arrivée du président de la République. La place de l'indépendance, bondée du monde, était en ébullition à l'atterrissage de l'hélicoptère vers 11h30. Les restrictions sanitaires liées à la Covid-19 dictent chaque geste, mais n'ont rien enlevé à la solennité de l'instant. Les souhaits de bienvenue ont été formulés à la descente d'hélicoptère par le gouverneur de la province du Mayo-Kébi Est, Bachar Ali Souleyman, ayant à ses côtés le maire de la ville de Bongor et le commandant de la zone de défense, général Abdelrahim Issa. À ces civilités protocolaires se sont ajoutés les honneurs militaires rendus par un détachement de la Direction générale des services de sécurité des institutions de l'État, de la gendarmerie nationale et de la garde nationale et nomade du Tchad. De l'ancien aérodrome au quartier Largeau, la solennité a fait place à une ambiance chaleureuse et populaire. La population qui borde toutes les rues est en liesse. L'accueil est triomphal. Sur le chemin qui le mène à sa résidence, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, retrouve ses souvenirs d'enfance, mais également une ville métamorphosée qui a fait ses toilettes pour réserver un accueil inoubliable en digne fils du terroir. Car souvenez-vous, le chef de l'État a fait une partie de ses études dans cette ville. La forte mobilisation n'a pas trahi le lien fort entre le président de la République et le bongorois, au-delà du privilège dont ils font l'objet en recevant pour la deuxième fois en l'espace de quelques mois le maréchal du Tchad. Les populations du Mayo-Kébi Est y voient l'assurance d'un développement accéléré. Cela passe par la construction de la route, motif principal de la visite du président de la République qui va procéder à la pose de la première pierre du bitumage du tronçon Djoumane-Lay. Juste après son arrivée à Bongor, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, a tenu une série de rencontres, notamment avec les autorités administratives, chefs militaires, autorités traditionnelles, religieuses et cadres de la province du Mayo-Kébi Est. Une administration efficace et au service de la population, cet idéal a été exposé par le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, aux chefs des unités administratives, les délégués ministériels et les chefs de service de la province du Mayo-Kébi Est, tout en reconnaissant leurs mérites et en permis d'enregistrer des résultats probants, notamment sur le terrain de la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Le président de la République, partant d'une analyse profonde des questions de l'heure, a fait part de ses préoccupations face à certains manquements de l'administration. L'absentéisme et le peu d'investissement de certains fonctionnaires, la mauvaise gestion des ressources allouées aux délégués ministériels, le peu d'encadrement des populations sont autant de pratiques fustigées par le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, qui a demandé à tous les responsables de se ressaisir, à être plus proches de la population, à répondre à ses appels, à l'aider, bref, à être des acteurs de développement. Un seul franc dépensé doit avoir un impact sur la population, a énoncé le maréchal du Tchad qui, dans la foulée, a rencontré les responsables militaires. Rien ne sera comme avant, a persisté le chef suprême des armées qui a mis en garde les brebis galeuses qui cherchent à s'enrichir sur le dos de la population. Séance tenante, instruction a été donnée afin d'élever toutes les barrières à l'intérieur de la province. Le phénomène d'enlèvement des enfants contre rançon et de vol de bétail doivent à tout prix être combattus sans ménagement, a-t-il ordonné, promettant l'augmentation des effectifs et des moyens aux forces de défense et de sécurité, non sans reconnaître les efforts dans la sécurisation de la province et dans l'application du protocole sanitaire face à la Covid-19. La pandémie, tout comme les résolutions du deuxième forum national inclusif, se sont également invitées lors de la rencontre avec les autorités traditionnelles et religieuses. Les chefs des cantons et responsables des églises et mosquées ont été exhortés par le maréchal du Tchad
à l'effet de jouer leur partition pour une paix réelle et durable et une cohabitation fraternelle. La laïcité est une identité. Veiller à préserver cet héritage a exhorté le président de la République qui a porté à la connaissance de l'auditoire de nombreux projets en cours et à venir pour booster le développement de la province. Il a réitéré son engagement à maintenir son aide pour que Mayo-Kébi Est soit un exemple pour d'autres en matière de vivre ensemble et de progrès social et économique. La visite du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, à Bangor est avant tout une réponse à une invitation lancée par les différentes composantes de la province qui, par cette démarche, ont voulu célébrer à leur manière leur digne fils suite à son élévation à la dignité de maréchal. La communion exprimée lors de l'accueil a trouvé un autre terrain, l'audience. Rencontre au cours de laquelle les cadres et les représentants des jeunes et des femmes se sont relayés pour exprimer leur fierté, mais aussi faire part de leur doléance qui se rapporte globalement aux infrastructures de base, aux grands projets de développement et à l'autonomisation des femmes et des jeunes. En réponse, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, après avoir exprimé toute son admiration pour l'attachement de la province à sa modeste personne, a insisté sur la perpétuation du savoir-vivre. Ne permettez pas à quiconque de venir casser cette tolérance. Ne cédez pas aux sirènes des politiciens qui cherchent à diviser une nation qui progresse, a-t-il laissé entendre. Aucun Tchadien n'est étranger ou qui s'y trouve sur le territoire, dira le maréchal du Tchad qui a insisté longuement sur l'unité du peuple banana. S'agissant des doléances exprimées, il a fait mention de nombreux projets déjà acquis auxquels vont s'ajouter de nouveaux, comme la construction d'une université et d'un hôpital. Tout est possible si tout le monde se met au travail et surclasse les divisions politiciennes, a-t-il affirmé, appelant les jeunes à soutenir leurs frères nommés dans le gouvernement. La relève est inéluctable, a-t-il fait savoir, non sans appeler les élites à s'investir pour la promotion féminine et à l'abandon des pratiques sociales néfastes qui, selon lui, créent une injustice envers les femmes. Peu avant de quitter Bangor pour Pala, chef-lieu de la province du Mayo-Kébi Ouest, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, est allé visiter une parcelle de riserie exploitée par le régiment du génie militaire. L'armée est un tout. Le vocable qui sied le mieux est une armée de métiers. L'armée nationale tchadienne n'est pas du reste. Tene, à Tcharaï, localité située à 5 km à l'entrée de Bangor, le régiment agricole du génie militaire force l'admiration. Elle a mis en exploitation sur ses sites rizicoles, mis à leur disposition 76 hectares sur les 400 hectares. Le résultat est tout simplement surprenant. Il est de 4 tonnes à l'hectare contre 2,5 tonnes à l'hectare au niveau des exploitations des groupements avoisinants. Très impressionné, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, a mis une trentaine de minutes pour visiter et apprécier de visu les fruits des labeurs des trois bataillons du régiment agricole de la direction centrale du génie militaire. Ces hommes en kaki de l'armée nationale tchadienne qui exploitent le champ rizicole de Tcharaï sont appelés affectueusement par la population locale « force de défense, de lutte contre l'insécurité alimentaire ». À l'issue de la visite, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, a vivement encouragé les soldats de la terre qui exploitent fièrement la terre de Tcharaï pour nourrir leurs frères d'armes. Sur le chemin du retour, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, s'est arrêté à une rizière pour encourager les jeunes qui y travaillent. Les échanges entre ces jeunes et le maréchal du Tchad ont été directs et sans intermédiaire. La terre n'a jamais été ingrate. Elle nourrit toujours celui ou celle qui la met en exploitation. Je vous admire et admire votre abnégation au travail, du courage. C'est sur ces mots d'encouragement que le maréchal du Tchad a pris congé de ces jeunes travailleurs. Revenons en N'Djamena pour parler cette fois-ci de la prestation de serment de la nouvelle inspectrice générale d'État adjointe, Mme Amalkhair Djibrine Souleymane.
L'audience solennelle s'est déroulée au palais présidentiel en présence du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Les dispositions constitutionnelles, toujours en vigueur, imposent le serment confessionnel avant tout exercice des hautes fonctions de l'État. Nommée inspectrice générale d'État adjointe le 7 octobre dernier, Amelker Djibrine Souleymane s'est conformée à ce rituel ce 4 novembre devant la Cour suprême, présidée par Samir Adam Anour, au palais présidentiel en présence du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Moi, Amelker Djibrine Souleymane, je jure au nom d'Allah, de tout puissant, d'être loyal dans mon travail, de ne pas trahir ma nation et le peuple, de ne pas détourner les biens publics, de ne pas dévoiler les secrets de l'État, de respecter les engagements contenus dans la charte de notre chef. Après s'être conformée à cette exigence, elle est renvoyée à l'exercice de ses fonctions par le président de la Cour suprême, Samir Adam Anour. La récipiendaire du serment qu'elle vient de prêter, elle la renvoie à l'exercice de ses fonctions. Dit que le tout sera dressé procès-verbal pour être classé au rang des minutes du greffe de la Cour suprême. Âgée de 29 ans, Amelker Djibrine Souleymane est experte en management et gestion des projets, experte comptable et experte formatrice en leadership civique. Sur le plan professionnel, elle a déjà un parcours bien riche. Au plan continental, elle a été vice-présidente du Conseil économique, culturel et social de l'Union africaine. Au pays, elle a occupé plusieurs postes de responsabilité, dont celui de directrice des ressources humaines, de l'informatique et des archives au ministère du Pétrole. Très engagée pour la cause féminine, elle est coordinatrice nationale de l'ONG Nirvana. L'antenne d'Amdjaras de l'École nationale supérieure des technologies de l'information et de la communication ENASTIC est inaugurée cette semaine. La cérémonie officielle a été placée sous la présidence du ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Paimi Debe, représentant le maréchal du Tchad. Le déroulé de la cérémonie officielle d'inauguration de l'École nationale supérieure des technologies de l'information et de la communication, ENASTIC, antenne d'Amdjaras, est marquée par 5 interventions. Souhaitant la bienvenue à la délégation, le maire de la ville d'Amdjaras, About Hashim Bouder, déclare que sa ville est honorée d'abriter cette grande école de formation professionnelle. Au nom de la population de l'Enedi Est, le gouverneur Ngarboudjoum Meder Jacob a remercié le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno pour cette nouvelle réalisation en faveur du peuple tchadien. Le directeur général de l'ENASTIC, Dr Haggar Bachar Salim, a exprimé pour sa part toute sa joie et sa reconnaissance pour ce grand investissement au profit de la jeunesse tchadienne, avant de préciser que son institution n'entend pas évoluer en vase clos. Plusieurs conventions de coopération ont été signées avec les grandes écoles et universités. On peut citer entre autres l'École supérieure multinationale de télécommunications de Dakar, l'Université de Reims Champagne-Ardenne, l'INSA de Lyon ou encore l'Université de Nice Sophia Antipolis. Au niveau national, plusieurs accords de partenariat ont été signés avec des institutions et structures du secteur public et privé, et tout cela augure de belles perspectives de collaboration, d'échanges d'expériences et d'assistance technique dont l'ENASTIC espère tirer le meilleur profit. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Dr David Oudengar Ngaremadin, précise pour sa part que l'ouverture de l'ENASTIC d'Amdjaras est le reflet du premier éducateur tchadien, le maréchal du Tchad, qui fait de l'éducation et de la formation la rampe de l'émergence du Tchad. Avec la volonté politique clairement affichée du maréchal du Tchad, le Tchad s'est résolument engagé dans la voie du développement des TIC à travers la formation des ressources humaines aptes à conduire la transformation de notre pays. Cette noble ambition a sous-tendu le choix stratégique du gouvernement reposant sur deux axes, à savoir développer les infrastructures de transport, de communication électronique et doter le pays en ressources humaines suffisantes et de qualité dans le domaine des TIC. Intervenant pour la circonstance, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Paimi Debe, a invité le corps professoral de l'ENASTIC, antenne d'Amdjaras, à donner le meilleur de lui-même. Je lance un appel
pour qu'ils donnent du meilleur d'eux-mêmes. Non seulement les étudiants et leurs parents attendent cela de vous, mais plus encore, les plus hautes autorités du pays qui ont tant et tout consacré pour que cette institution voie le jour. Les étudiants ne sont pas du reste. Ils sont également invités par le ministre d'État au travail et surtout au travail bien fait. Votre succès dépend de vous-même et rien que de vous. Les meilleurs start-up du pays doivent être recrutés de vos rangs. Le représentant du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, déclare ouverte l'antenne énastique d'Amdjaras. Il s'en est suivi une visite guidée des locaux qui comprend 24 mini-amphithéâtres, un restaurant, une dizaine de bureaux pour les administrateurs, deux bâtiments pour logement, une infirmerie, un terrain de football et un terrain de basketball. Une double cérémonie s'est déroulée cette semaine au palais présidentiel sous la houlette du ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Payimi Debe. Il s'agit de celle consacrée aux régies financières et au recrutement des jeunes diplômés à la fonction publique tchadienne. La traditionnelle réunion hebdomadaire consacrée aux régies financières est désormais bimensuelle. Celle de ce mardi 17 novembre est la première du genre à scruter les recettes et dépenses du Trésor public du mois d'octobre 2020. Le format est le même. Les membres du gouvernement dans les départements ministériels respectifs sont pourvoyeurs des recettes publiques. Le conseiller technique du chef de l'État en charge des finances et du budget, ainsi qu'une dizaine de directeurs généraux et directeurs des services en charge des régies financières, ont fait le point au moindre centime des recettes et dépenses de l'État, comme le confirme le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin. La situation est, disons, assez acceptable, mais il était question que les régies continuent de maintenir la dynamique, la bonne ambiance pour que nos performances en fin d'année soient au moins égales à ce qu'on avait prévu, mais également soient au moins supérieur à celle des années précédentes. Ça, c'est l'objectif et le maintien de cet objectif. Dans le même temps, il a été demandé que la discipline au niveau des dépenses ici et en province soit maintenue. Chaque année, les partenaires traditionnels du Tchad, tels que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, font le point de la santé financière du monde et de chaque pays au cours des assemblées annuelles et réunions de printemps. Beaucoup de services de l'État et des ministres ont eu des vidéoconférences en bilatéral. Nous avons également rendu compte aux ministres quel est le niveau d'ambiance globale et quel est le niveau des discussions, à la fois avec la Banque mondiale, avec le FMI, l'Agence française de développement, la Banque africaine de développement, l'Union européenne et ainsi que la SFI, qui est une filiale qui s'occupe de la partie secteur privé. En même temps, on a aussi fait part aux membres du gouvernement des évolutions de nos travaux préparatoires en termes du budget de l'État 2021 et quelles sont les nouvelles dispositions, quelles sont les nouvelles tendances pour l'année prochaine et quel est le lien globalement avec nos discussions au titre d'un éventuel prochain programme avec le FMI et soutenu par tous nos partenaires techniques et financiers. Ça a été également l'occasion de discuter des réformes dans les régies, mais aussi au niveau de l'enrôlement biométrique des agents de l'État et pour ce qui est de la saisie du budget de 2021 en préparation et en exécution dans le nouveau système de gestion des finances publiques. Malgré l'embellie financière constatée, des orientations précises ont été données par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Payimi Debe, à l'effet d'éviter au maximum les déperditions des recettes dues à l'État. Juste après la rencontre consacrée aux régies financières, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Payimi Debe, a présidé la réunion de la commission spéciale pour le recrutement des jeunes diplômés à la fonction publique.
un point de l'état d'avancement des travaux est fait et des orientations précises pour accélérer la cadence des recrutements ont été données par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalisebe Payimi Debe. La présidente de la Fondation Grand Cœur, Hinda Debi Itno, a lancé cette semaine la troisième édition du programme Maintien et suivi des filles à l'école, où 418 filles ont bénéficié des bourses scolaires. La jeunesse est au cœur des actions de la Fondation Grand Cœur, à qui elle a dédié un pan entier de ses axes d'intervention. Pour la troisième année consécutive, le programme Maintien et suivi des filles à l'école passe à l'acte. 418 filles issues des 5 lycées de la capitale et de 8 provinces du pays ayant obtenu une moyenne annuelle supérieure ou égale à 12 sur 20 bénéficient des bourses pour l'année scolaire en cours des mains de la première dame Hinda Debi Itno, présidente fondatrice du Grand Cœur. Il n'est pas question de voiler la réalité. La fille tchadienne ne bénéficie pas de la même éducation et de l'encadrement comme le garçon. Il faut redresser cette tendance, corriger cette injustice sociale à l'égard de la fille. Du coup, elle tombe dans l'escarcelle des couches défavorisées pour laquelle œuvre la Fondation Grand Cœur, selon Abiba Saoulba, secrétaire général de la Fondation Grand Cœur. Force est de constater que les filles ont besoin d'un environnement favorable pour optimiser leur potentialité et concrétiser leurs aspirations. C'est ce que Maman Linda, comme elle l'appelle affectueusement, veut offrir à ses enfants pour leur permettre de surmonter les obstacles qui entravent leur performance académique, leur épanouissement social et leur organisation. L'éducation des filles et leur maintien à l'école sont les préoccupations du gouvernement, dont le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique a la charge de concrétiser. À travers ces bourses, le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, Aboubakar Assidik Chouroma, trouve à la Fondation Grand Cœur un partenaire local bien déterminé. La promotion de la scolarisation des filles favorise l'équité et réduit les disparités de toute nature. Elle s'inscrit dans la politique de développement de notre système éducatif, prônée par le maréchal du Tchad, son excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, qui a toujours placé au centre de ses priorités l'éducation des jeunes en général et le développement de l'éducation des filles en particulier. La politique de l'excellence en milieu scolaire n'a pas été occultée et demeure le socle de l'émergence de notre nation. La singularité de ce programme de la Fondation Grand Cœur en faveur de la fille force l'admiration de nombreux partenaires, au nombre desquels l'ambassade de Chine au Tchad et celle du Canada, que la première dame Hinda Debi Itno a tenu à les magnifier lors de cette cérémonie. Avec le programme Maintien et suivi des filles à l'école, nous visons d'abord l'excellence, a déclaré en substance la présidente fondatrice de la Fondation Grand Cœur, Hinda Debi Itno. Le progrès de l'éducation des filles est un combat de longue haleine. Les statistiques donnent froid au dos. Quand on sait qu'en ce 21e siècle, 32 millions de filles à travers le monde ne sont pas scolarisées. Dans notre pays, en dépit des progrès notables enregistrés, nos attentes légitimes ne sont pas comblées. Il y a des disparités assez préoccupantes dans nos provinces qui exigent des actions de plus en plus soutenues. À cet égard, il est du devoir de toute la société de s'investir dans la scolarisation des filles et leur maintien à l'école. Cet investissement attendu peut simplement se manifester par un soutien actif au niveau de la famille, cellule de base de la société. Comme nous le savons tous, en Afrique et dans notre pays, la fille est un peu la maîtresse de la maison. Pour celle qui a eu la chance d'aller à l'école, en plus de ses devoirs écoliers, il lui revient de s'occuper des tâches ménagères. Et c'est dans ces conditions que certaines d'entre elles se démarquent en obtenant de meilleurs résultats à l'école. Et l'exemple probant de cet effort scolaire, ce sont ces filles qui sont devant nous aujourd'hui.
elle mérite nos encouragements et félicitations. Bravo, mes filles. Je suis fière de vous. Vous êtes aussi la fierté de vos parents. Avec le programme maintien et suivi des filles à l'école, nous visons d'abord l'excellence en offrant des opportunités à ces filles qui sont brillantes en vue de progresser dans leurs études et de brasser des diplômes, mais aussi et surtout de montrer à leurs parents les efforts qu'elles fournissent pour réussir. À travers notre plaidoyer et notre programme de terrain, nous nous battons au quotidien pour que chaque fille puisse aller à l'école et y rester le plus longtemps possible jusqu'aux études doctorales. Pourquoi pas? Pour nous, à la Fondation Grand Cœur, cette démarche lente mais certaine reste et demeure la pierre angulaire du progrès social et économique. Votre satisfaction reste et demeure notre ultime réconfort moral. Merci d'avoir accepté de m'accueillir chez vous et à la semaine prochaine pour un autre numéro de votre magazine Le Perron. Attention, le virus de la COVID-19 continue par circuler. Prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent. Merci et à la semaine prochaine.